Ok, yo les gars, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc Absol, roi de la jungle. Donc on va voir ça tout de suite. Hein. Donc petite jungle fétiche, j'aime bien. C'est gros dégâts, c'est insane, dommage critique. Dès qu'on chope quelqu'un, c'est kill quasiment assuré instant. On va aller le tester tranquillement en mode normal et on verra un peu le passing jungle. On verra tout ça tout de suite. Jingle, jungle. Yes. Je sais que vous kiffez ça, arrêtez de faire semblant. Je sais, je vous vois, vous êtes chez vous en train de. Ok, let's go. Donc, on va essayer de le choper. Donc, on est normal. On va pas s'y risquer quand même en classé, puisque ne pas se faire troll. En plus, on a la sortie de Néphalie qui est sortie. Donc, on trouve plein de Néphalie. Même si là, ça troll la game, c'est pas bien grave. On va quand même pouvoir faire quelque chose d'intéressant, je pense. Donc, on va dire le wall. Si c'est pas trop tard, je pense que la Néphalie a déjà dit. Ah non, mais on est en normal, donc ça m'étonnerait qu'il sorte des trucs, qu'il dise des trucs. Donc du coup, on peut confirmer notre Absol. Donc je m'attends à me faire troll au jungle et tout, mais bon. Alors je vais quand même préciser encore. Voilà. Donc et on verra un petit peu les dégâts de Absol et comment c'est immense. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire. Qui vous jouez-vous en jungle si vous préférez Talonflame? Si de toute manière la jungle c'est quelque part où peu importe le personnage que vous prenez c'est fort puisque vous XP beaucoup plus rapidement, donc vous prenez beaucoup plus de level beaucoup plus vite, donc du coup pour venir gank après les lignes où vous avez beaucoup plus de level que les autres, donc du coup tout le monde en fait peut aller en jungle dans ce jeu, ce qui est bien dommage aussi. Donc du coup on retrouve j'ai même déjà vu des gardes de voir jungle. C'est n'importe quoi. Enfin bref, tout le monde peut aller jungle. Voilà. Mais bon, parmi les jungles favoris ou qui vous préférez aller jungle, on a vu des Flowers jungle que c'est très pété, très fort. Voilà, tous ces personnages-là qui ont peu de retard aussi à prendre. Enfin, qui ont peu de retard sur les lignes. Donc quand ils passent jungle, ça devient très très fort. Donc Néphalie aussi, on va l'acheter. Et on va faire une petite vidéo dans la semaine ou de la semaine prochaine. Et on va tester Néphalie car c'est vraiment broken. Broken de chez Broken, ça fait vraiment mal. Elle me rappelle un peu Harry dans League of Legends. Bref, on est parti sous la game. Donc du coup, est-ce que je vais me faire troll ma jungle ou pas? Ça m'a l'air d'être non. Ok. Donc du coup, je commence tranquillement avec mes petits sbires. Allez, je me promène dans ma jungle parce qu'après tout, c'est moi le roi. Hein. C'est moi le roi. Voilà, je prends le petit crabe rouge. Au cas où s'ils veulent me troller comme ça, au moins, ils l'auront pas. Donc du coup, voilà. Je fais mon petit passing tranquillement. Je dodge tranquillement. Donc on va essayer d'aller gank. Déjà, un premier gank la ligne top. Avant qu'ils évoluent. Si j'ai assez de temps de finir. Ok, j'ai dodge. Je vois un petit lapin là. C'est évolué level 5 le lapin. Carapuce level 5 aussi. Donc du coup... J'aurais de quoi les ganks si ils continuent de simple. Donc c'est bon, moi je suis passé level 5. Premier gank en approche. Premier gank. Ça sera bon. Premier gank en approche. Premier gank en approche. Mais voilà. Mais voilà les petits. Mais voilà les petits. Mais voilà les petits. Insane. Broken. Broken. Juste insane les bros. Vous avez vu. J'ai décalé sous la ligne et c'était terminé. C'était terminé. Terminé. Voilà. Donc du coup. Je continue mon petit passing, donc là, le speed vitesse, ça veut dire que, voilà. Voilà, le speed vitesse, ça veut dire que, les petits crabes rouges de la jungle apparaît. Et, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon en bas, ça sent bon en bas, ça sent bon en bas, vite, 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 ça sent bon. Ça sent bon en bas, ça sent bon en bas, viens là. Ça sent bon en bas, viens là, voilà comme ça qu'on fait ici, c'est moi le roi de la jungle. Ok, j'ai eu le 6P. Voilà, moi je retourne tranquillement farm. Ok, tranquillement. On joue farm, toujours avoir. Essayer d'avoir des levels en plus. Par rapport à vos adversaires, c'est très très important. Donc, toujours essayer de jungle. Oui, toujours essayer de farm. Donc, du coup, j'ai déjà pris ça. Je vais retourner récupérer mes buffs. Ils sont finis. Donc, voilà. Donc, vous avez un buff. Qui quand vous n'avez pas la personne à plus de vie, ça tape plus fort, et un autre buff quand il ralentit un peu les ennemis. Donc voilà, ils sont passés level. Ils sont passés level au top. Ok, j'ai fait des gros damage. Vous avez vu comment je viens sur une ligne et voilà, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Donc là, on va préparer notre petit Dreadnought.
Donc on va B tranquillement, je vois que la ligne du bot en plus se fait avoir. On va B tranquillement, on va pouvoir avec le petit Greno. J'ai pas encore mon 9, c'est dommage, si je pouvais avoir un petit sbire au passage. Donc je vois qu'il se fait... Non messieurs, ici c'est moi qui domine. Ici c'est moi qui domine, donc j'ai mon R. Très bien. C'est moi qui domine, c'est ma jungle. C'est moi le jungle avec les gros dégâts là, ok. Bon. Bon, étant normal là, j'aurais mis mes points. Mais là, je vais essayer d'aller faire drainer tout de suite. En plus, j'ai mon air, donc très très bon passing. Très bon passing. Du coup, j'ai pu avoir mon air. Donc s'ils viennent, je peux utiliser mon air pour essayer de choper encore un peu plus de dégâts. Qu'est-ce que tu fais? What? Mais... Le Flogzar, lui, il a rien compris à sa vie. Donc du coup, je continue. Oh là, je vais me faire chier dessus là. Là, je fais mon air parce que sinon, il m'aurait chier dessus. Et là, normalement, il n'existe plus. Ouh là là, il n'existe plus. Et toi non plus, tu n'existes plus. Aïe aïe aïe, tu n'existes plus, je dis. Et c'est terminé. Voilà la puissance d'Absol, les gars. Voilà la puissance d'Absol. Ok, donc là, j'ai fait mon taf. Là, j'ai carry la game. Mais ne pas se relâcher puisque là, je deviens très faible. Donc en fin de partie, je deviens très faible. Parce que je suis très 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 fragile. Donc j'ai utilisé mon air. Je sais pas si j'aurais pu m'en sortir sans, mais j'ai préféré l'utiliser quand même pour assurer le kill. Donc je continue à prendre de l'XP, très important, pour continuer à garder l'avantage que j'ai. Voilà, donc il va couler de ce sens là. Voilà, et comme ça, boum, je garde l'avantage, toujours garde l'avantage. C'est ma jungle, c'est ma jungle. Ok, il y a un petit oiseau là, il veut d'après lui faire le show. Il veut faire le show. Il veut faire le show. Ah, il fuit. Tu fuis. T'as bien raison, beau. T'as bien raison. Fuis. Car je suis là. Le king est là. Le roi de la jungle est là, ok. Le Florizan n'a rien compris. Je pense que je vais aller le gank encore. Ah non. Drain noir. Ouh. Mamma mia. Je l'ai échappé, belle. Ok. Le drain noir arrive. J'ai presque mon air. Je récupère mon petit buff. Je vois le temps. Ok. Il demande de l'aide. Oh, mais maintenant. Oh, j'ai vu un Florizard là. Là, c'est juste pour le fun. Hein, parce que normalement, le drain noir arrive. Mais c'est juste pour le fun. Parce que c'est moi le roi de la jungle. Et il veut me prendre mes affaires. Non, j'ai dit. Bon, je vais bot. Il y a un tank. J'ai mon air. Ils sont deux. Tout devrait bien se passer. Si je peux récupérer un petit fruit. Voilà, il y a ma teammate qui suit. Le Torotank n'existe plus normalement. Oh là là, bien résisté, dommage. Du coup, on prend le deuxième Dreno. Donc là, ils sont très très bons hein, pour un mode normal. Et l'équipe en face s'est fait mener dès le début. Donc très difficile pour de rattraper. Donc l'oison va le Dutch, lui, c'est la victime. Oh là 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 là. La victime. Ça fait mal. Bon, on va essayer d'aller prendre le Cinder et ce qui veut s'échapper par là. Donc très très mobile. Non, fais pas ça, c'est ma jungle, combien de fois faut vous le dire les bros, combien de fois je vais devoir vous le dire. Ok. Donc du coup, je vais récupérer le petit notisme hein, donc, pour mettre la pression top. Donc c'est ma jungle, j'ai dominé, mais c'est pas à dire que j'ai gagné la partie hein, pour l'instant, puisque vous savez que l'électron, c'est ce qui fait tout. Donc voilà, de très très bons damage comme je vous l'ai dit. Une fois que vous savez manipuler ce personnage, c'est vraiment... très très problématique. Donc du coup je vais bot encore. Voilà, j'ai mis la pression top avec le Nautisma. Donc je vais top, je suis level 13, donc j'ai des sbires. Je regarde mes lignes, je vois que je peux aller faire what, il fait trop mal. What, en tout cas si vous voulez monter rapidement et chercher OP dégâts, pensez à Absol fortement. Donc je vais monter mon stuff aussi à la fin. Bon, qu'on gagne ou pas, hein, là, on s'amuse tranquillement. Donc, là, la game n'est pas encore pliée. On mène, mais comme je vous l'ai dit, il y a un petit Dreno. Donc, il y a un oiseau qui se promène là. Tu fais quoi, l'oiseau? Il est où? Ah! Mais tu fais quoi, l'oiseau? Tu fais quoi? Ah! Tu fuis? Tu fuis? Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Tortank, viens, Tortank. Ah, derrière moi. Ok. Donc, bon, Tortank, j'aurais pas dû faire mon air parce qu'il y a le truc qui arrive. Bon, on va pas chase, on va pas faire l'erreur, je suis super là en plus. Alors,
Est-ce que je peux mettre enfin des points? Non. Bon, il va faire son hydrocanon là, ça risque de mal tourner. Donc je cours vers Dreadnought. Est-ce que je vois le Tonneau faire? Waouh, ça m'arrive juste tout. Ça m'a. Bof, pas le faire. Je suis ma team en plus, mais je ne le trouve pas. Oh, je suis mêlé. Je suis foutu. Je suis foutu et le Dreadnought arrive. C'est très mauvais. Très mauvais. J'aurais pas dû faire ça du tout. Du tout. Parce que là, ma team, s'ils se font avoir, on perd le Dreadnought. Et si on perd le Dreadnought, c'est très mauvais. Le Dreadnought. Si on perd le. J'ai fait mon air tout à l'heure là. Donc très mauvais. Donc, faut aller contester un peu, voir ce qui se passe là, les gars. Oh, regardez, ils sont en train de le faire. Oh, les bras cassés. Les bras cassés. Oh putain. Là, faut les tuer. Faut les tuer, les gars. Oh, les bras cassés. Oh. Oh, shit. Et oh, il nous a mis des points. Comme je vous disais, c'est jamais gagné, mais bon, c'est ma faute. Vous voyez l'erreur, hein, que si j'étais en classé, l'erreur à ne pas faire, vouloir jouer un Dreadnought, j'étais seul. Oh, 2000. J'étais seul, vouloir jouer un Dreadnought, c'est pas la meilleure des idées. Donc, bon, je sais pas si on gagne. Il a mis qu'un seul son air et ça a tué la team. Oh. Non, monsieur. Stop, monsieur. Ouh là là. On met pas de points ici. C'est moi le roi de la jungle. On met pas de points ici, monsieur. Stop. Je pense qu'on a win quand même. Je vais essayer d'aller mettre des petits points. Je pense pas que je vois le temps parce que ça revient. J'ai 43 points. J'ai pas le truc de scoring. Je pense pas que je vois le temps. Ouais. C'est pas grave. Moi j'ai mis la pression. Je vais rush. 10. Okay. Est-ce que c'est de la win ou est-ce que c'est de la lose? Je pense qu'on a win quand même. Donc voilà, vous avez pu voir un peu Absol hein, dans toute sa splendeur. Quand vous faites vos ganks sous les lanes, ça fait extrêmement mal. Ouh, on a failli perdre. A failli perdre à cause de mon erreur là. J'espère que vous l'avez vu, hein, l'erreur à ne pas faire. Hein. J'ai voulu attaquer le Dreadnought. Or que j'étais seul. Mon pote se faisait chase. J'avais trop pris la confiance en vrai. Et j'aurais pas dû alors qu'il y avait le timer de l'électeur qui arrivait. Donc en vrai, très mauvais. Mais voilà, mais bon. Donc j'ai pas eu beaucoup de points parce que je pense qu'au ring, j'étais là vraiment pour aider ma team à level up. Et pour pouvoir eux qui mettent les points tout. Donc j'essaie de mettre quelques points. Mais sinon, il y a la version aussi. On va aller voir tout de suite. Il y a la version aussi scoring. Que vous pouvez jouer. Non. Main menu. Désolé. Il y a la version scoring que vous pouvez jouer. Qui vous permet de mettre des points et augmenter votre attaque. On connaît ce petit set. Donc du coup, sur mon Absol, je vous montre les items que j'ai. Donc voilà, j'ai le rasoir. Donc plus 30. J'ai celui qui. Flatstone. Français, désolé, comment ça s'appelle, mais ça augmente le movement speed. Vous pouvez changer ça par Buddy Barrier qui rendra votre Absol tanky aussi sur la fin. Là, je vais jouer full vitesse pour déplacement pour pouvoir changer de ligne d'une ligne plus rapidement. Et l'objet fétiche de critique pour Absol, car on sait qu'on se passif donne beaucoup de dégâts critiques, les bros. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore et dites-moi en commentaire si vous avez kiffé le roi de la jungle. Jingle! Yeah! Boom!